Bonjour et bienvenue à vous sur EcoYachting. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de tout savoir sur les différents événements mis en place par Jeannot et Prestige sur le mois de septembre et puis même un peu plus loin dans le planning. Et pour cela, je vous propose de rejoindre tout de suite Samuel Dubois, directeur commercial de Jeannot. Samuel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Samuel, les salons de rentrée ont été annulés, Cannes et La Rochelle. C'est l'occasion pour Jeannot et Prestige de mettre en place tout un dispositif qui va permettre aux plaisanciers de pouvoir découvrir les nouveautés qu'ils auraient dû découvrir sur les salons. Exactement, Nicolas. On a fait les Exclusive Days où on est aujourd'hui, ici à Cannes, Cannes-Vieux-Port pour la partie Jeannot Moteur et pour Prestige. On va faire des visites. On a commencé ce matin depuis 9h30 pendant 9 jours. Bien sûr, uniquement sur rendez-vous, toujours accompagné avec nos distributeurs. On a un planning qui est assez chargé pour les 9 jours à venir. Donc, bien sûr, on s'adapte en permanence en fonction des circonstances qui nous sont imposées. Mais on est content, on va se réinventer, réadapter. On a nos distributeurs, je pense qu'il y a une dizaine, une douzaine de distributeurs qui sont là avec des clients depuis ce matin. Et puis, on a des rendez-vous qui se confirment tout au long de la semaine. Donc, on est content. On va respecter bien sûr les mesures sanitaires, on fait des visites que d'une demi-heure, on nettoie entre chaque visite. Tu l'as vu tout à l'heure, on s'est lavé les mains, voilà, on a les masques, on fait vraiment attention. Mais le plus important pour nous, c'est de montrer nos produits, nos nouveautés, nos millésimes et de continuer d'avancer. Mois de septembre, un mois essentiel pour la plaisance et pour démarrer l'année 2021. Alors sur ce début du mois de septembre, là on est sur le ponton, sur un des pontons du vieux port de Cannes. Combien de nouveautés moteurs exposées? Donc c'est de quand à quand? Aujourd'hui jusqu'à quand? On a dit aujourd'hui samedi 4 jusqu'à dimanche 13. On peut profiter de 9 jours, 2 week-ends. On va recevoir les clients. Comme j'ai dit tout à l'heure, individuellement, on voit il y a des gens uniquement des groupes par bateau avec le distributeur. Et puis le soir, on va faire quelques sorties pour valider des ventes. 12 bateaux à moteur présentés, certaines nouveautés. Alors, je me tourne tout de suite sur le Cap Camara 10.5 WA série 2. Oh là là, quelle belle bête! De l'autre côté, on a une Mary Fisher 7.95 série 2, l'archétype du Weekender familial. Avant-première. En présentation, en avant-première. Alors avant-première, en plus sur Actu Nautique et Yachting Art, vous allez avoir des magnifiques vidéos qui présentent ces bateaux. Mais si vous prenez rendez-vous avec votre concessionnaire, ben vous pouvez venir les voir à Cannes. Mais ce planning, il va au-delà de Cannes en fait. Bien sûr Nicolas, on a organisé partout en Europe des événements, des Exclusive Days. Bien sûr en Italie, dans les semaines qui viennent, en Espagne. Et puis de la même manière qu'on fait ici à Cannes, on va au Grand Pavois, chez nos distributeurs, s'organiser. Les plannings sont maintenant ouverts pour avoir des réservations. Tous les bateaux qu'on avait prévu d'exposer en Jeannot Moteur et en Prestige seront présentés à terre à La Rochelle, chez nos distributeurs. Et la même chose en voile, les 5 voiliers qu'on avait prévu d'exposer, on va les exposer à terre. On va respecter bien sûr nos protocoles sanitaires et pouvoir, le plus important, montrer les bateaux sur la période initiale du Grand Pavois. C'est ce qu'on a décidé de faire. Et puis on aura tout un tas de petits événements en Bretagne, du côté de Cannes, pouvoir recevoir nos clients tout le mois de septembre. Il y a du travail qui est fait aussi en Manche. Et puis notre objectif, une fois que ces salons-là ou ces Exclusive Days seront faites, on va proposer un showroom à partir du 8-10 octobre aux Herbiers pour pouvoir accueillir encore une fois pendant un mois, deux mois et pouvoir présenter nos bateaux aux Herbiers où tous nos clients sont les bienvenus avec nos distributeurs. Donc, programme très chargé. On poursuit notre cheminement sur ce ponton de Cannes pour découvrir un bateau extraordinaire, énormément d'innovation. C'est la nouvelle Prestige X70, le clou de ce salon privé de Cannes. Exactement, X70 qu'on a présenté le week-end dernier à Monaco. On a commencé à faire des essais, on a plein de choses, gros buzz autour de ce bateau-là. Rick Stromberg nous aide beaucoup dans la présentation. Et comme tu le vois ici, il y a des visites régulières. On présente nos produits et on déroule, comme on avait prévu de faire, le planning de ce bateau. Donc pour résumer, Samuel, on peut dire que chez Jeannot et Prestige, les 2-3 prochains mois qui viennent vont être extrêmement chargés en événements pour permettre aux plaisanciers et puis aux amateurs de bateaux de venir découvrir votre offre un petit peu partout en France en fait. Exactement, partout en France, on va être sur les dates, sur les salons prévus initialement. On va avoir des opérations comme celle-ci où on est aujourd'hui avec les Exclusive Days. Et puis on va travailler en local chez les distributeurs
pour pouvoir garder nos clients qui ont l'habitude. On sait qu'on est en début de saison, c'est important de pouvoir concrétiser des ventes. C'est aussi important pour nos clients de pouvoir acheter des bateaux, et les clients qui sont en train d'acheter des bateaux ici. Surtout, l'avantage d'être en septembre, en octobre, d'être tôt dans la saison, c'est qu'on peut choisir ses options. Nous, on va pouvoir fabriquer les bateaux cet hiver et chaque client peut adapter. Bien sûr, si on est plus tard dans la saison, après, c'est plus compliqué. Donc, on cherche vraiment ici. Nos clients, ils ont l'habitude maintenant depuis 5-6 ans. On a des commandes très tôt dans la saison en septembre. Et les clients peuvent vraiment choisir toutes les options qu'ils souhaitent réellement sur leur bateau. Et c'est ce qu'on va faire vraiment là pendant 2 mois. Plus que jamais, on se réinvente, on s'adapte aussi, parce que, bien sûr, dans le contexte actuel, mais nos clients ont beaucoup navigué. Nos clients ont sans doute un petit peu moins voyagé et pour nous, c'est presque une chance pour la plaisance. On sait que c'est fait un peu de soucis avec dans les périodes de confinement, mais depuis la mi-mai, beaucoup de choses bougent, beaucoup de choses ont bougé, que ce soit bateau neuf, bateau d'occasion. Nos clients ont plutôt beaucoup navigué, donc on est là. Donc on est là pour travailler et puis concrétiser et attaquer la saison 2021 avec le sourire et bonne humeur. Thank you very much, Samuel. Merci, Nicolas.